Pascal Lagarde qui va me rejoindre à présent, directeur exécutif, directeur de l'Institut international, la stratégie et des études du développement, ainsi que Pedro Novo, directeur exécutif, directeur en charge des activités export. Pendant que messieurs Pascal Lagarde prenez place et Pedro Novo sont en train de s'installer, on désinfecte les micros, vous savez ce que c'est, les mesures barrières. Bonjour Pascal. Bonjour Pedro, ravi de vous voir, comment ça va? Ravi également. Pedro, très heureux. Dis donc, c'est vous qui avez choisi le thème cette année? Presque. Parce que la conquête, on a l'impression que c'est surtout international. Vous dirigez justement l'international. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises dans la conquête, j'ai envie de dire, des nouveaux marchés? Parce que c'est conquérir ensemble, hein, le Big 7. Tout est dit, conquérir ensemble. C'est un collectif, c'est une ambition, c'est une team. On a créé une team France Export pour ça. On réunit la boussole, le carburant. Déchiffrer le monde, comprendre et propulser les entrepreneurs. La conquête, c'est grandir. On ne cesse de le répéter. Et quand on va à l'international, on grandit. En année de chien, vous faites une année, ça vaut 10 ans. Vous avez un ou deux projets types que vous pourriez me citer qui ont été menés et qui illustrent les bénéfices justement de ce déploiement à l'international? Vous avez des groupes industriels qui vivaient sur le continent européen à partir de la France et qui ont continué de grandir et à investir à l'international. Je pense à des industriels par exemple dans l'éclairage solaire, des entreprises comme Fonroche ou l'entreprise Rani, ouais, qui grâce à notre soutien sont en train de multiplier leur chiffre d'affaires. Pas de 20-30% de croissance, de 100 à 200% en fonction des contrats que nous faisons gagner à ces entreprises grâce à notre soutien. Ça, c'est une belle histoire qui commence dans les territoires et qui fait d'entreprises françaises qui sont de très belles startups industrielles des champions du monde. Motivé? Oui. Hein, Pascal, justement, les PME, les ETI françaises dont on parle, après cette crise, cette pandémie qu'on est en train de s'en échapper, est-ce qu'elles sont en position maintenant de vraiment partir vers de nouveaux horizons, comme le dit Pedro? Oui, tout à fait. Et ça, c'est la bonne nouvelle, la bonne surprise de cette après-crise. Hein. J'espère d'ailleurs qu'on est vraiment dans l'après-crise. Mais cette après-crise, c'est quoi? C'est des entreprises qui sont revenues à leur niveau de trésorerie d'avant-crise pour quasiment tous les secteurs. Alors, il y a des secteurs abîmés, il y a des secteurs qui vont se relever, mais ça va être un petit peu plus long. On les connaît tous, les transports, le tourisme, l'hospitalité, comme on dit en bon français. Mais le reste, c'est des entreprises qui se sont un peu endettés avec les PGE, mais qui les ont massivement pas utilisés, en fait. Donc, c'était de la précaution. Ah ouais. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de bien. Et puis, quand on les interroge, elles nous disent qu'elles veulent y aller parce qu'elles nous disent qu'elles veulent vraiment plus investir. Elles veulent plus investir, aller plus loin que ce qu'elles avaient prévu avant la crise. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Il y en a un quart qui dit ça fortement. Et quand elles disent qu'elles vont investir plus... Dans quoi elles veulent investir? Un, en digital. Deux, en décarbonation. Et ça, c'est quand même quelque chose de magique parce que ça veut dire qu'elles ont pris en compte ce qui est en train de changer, en fait, l'économie mondiale. Évidemment. Alors, comment est-ce qu'elles se placent? Dans quel environnement européen est-ce qu'elles vont évoluer? Alors, bon, je pense que l'Europe a montré... au début, son manque de rapidité, puis son efficacité dans la gestion de la crise. On a maintenant quelque chose d'incroyable qu'on n'aurait pas pensé avoir avant la crise, c'est-à-dire un plan de relance commun qui a été créé avec l'ensemble des États européens et avec un endettement européen. Oui. Donc ça, c'est quand même très nouveau. Ce plan de relance, il est énorme. Derrière arrive InvestEU, arrive HorizonEU, oui, oui, c'est-à-dire les grands programmes européens. Et nous, on va être là pour... Accompagner les entreprises à avoir accès à ces moyens supplémentaires, ces moyens très importants qui vont arriver en Europe pour les Européens et dans notre maison commune qui est l'Europe. Pascal Lagarde, merci beaucoup. Et Pedro Novo, je sais que je vous retrouve pendant la journée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là de l'international grâce à vous deux. Donc merci beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure.